Bien, mesdames et messieurs, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec la France. On est parti pour l'attaque finale contre l'Espagne. Vous l'avez attendu. Eh bien, c'est ce qui va se passer. L'Espagne va mourir, tout simplement, par une guerre comme il se doit. Et ensuite, on aura le Portugal et ça sera terminé normalement. Ouh, pardon. J'ai pas mis la carte militaire. C'est la plus intéressante des cartes. Piou, 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 piou. Ça lag! Je sais pas pourquoi ça lag. Allô? Ah oui, annulation parce qu'il y a pas la guerre, c'est pour ça. Donc tout ce que j'ai fait, faut que je refasse. Oh super, ça donne envie, hein. Piou piou piou! Voilà, c'est parti. Stop! Et oui, faut que je recommence tout ce que j'ai fait. Ben oui, puisqu'ils ont tous dit qu'il n'y avait rien. Ben oui, évidemment qu'il n'y a rien. Bon, de toute façon, je crois qu'ils s'attendaient tous à ce qu'on attaque à un moment donné. Donc, à un moment donné, je crois qu'ils ne seront pas choqués qu'on les attaque. Hein. Ils sont en mode... Oh! La France nous a attaqués! Je crois qu'on a pris quasi toute l'Union européenne. Je pense qu'à un moment donné, je crois qu'ils sont au courant. Hop! On va faire ça pour le moment. Ouh, cette guerre, elle va me faire perdre pas mal de gens, hein, j'en suis sûr. Quoi? Cette base a pas été détruite? Il y a des bases qui n'ont pas été détruites, ça c'est pas normal. Genre, Barcelone, please. Pourquoi vous cassez pas Barcelone? Tac. Cassez-moi ça. Ok, il n'y a plus rien ici. Barcelone, ça va être foutu. Cassez-moi ça. Au niveau de la capitale, faut aussi casser. Ok, ça c'est en train de tout attaquer. Super. Enfin, super, pas pour le moment. Please, protégez-moi tout ça, s'il vous plaît. Pour le moment, je peux pas attaquer le sud, donc je pourrais attaquer ici. Pardon. Par contre, ici. Essayez de me casser tout ça là. Parce... Oh, ici, il y a plein, plein de bases. Cassez-moi ça. Il me faut des drones. Casse-moi ça, please.
Ok, c'est en train de casser ça. Juste, il faudrait que on ait du coup ces drones-là qui s'occupent encore de la reconnaissance. Il va falloir que certains de nos drones attaquent. Genre par exemple, lui là, lui il est chiant, il faut l'attaquer. Ici on a pas mal de mouvements, il faut attaquer. Pouf. Ok, cette... ici, ça a été tué. Juste, il va falloir qu'on regarde par ici ce que ça donne à la frontière. Putain, cette guerre, elle est très, très chiante. Je m'attendais pas à une guerre aussi chiante. Mont-de-Marsan. Cassez-moi cette base. Et c'est quoi là? C'est américain. Ok. Bah, toi, tu peux pas casser ça? Mais non, tout se passe bien. Ne vous en faites pas. Tout se passe très bien. Enfin, pour le moment. Ok, allez me casser tout ce qu'il y a ici. Capitulation déjà? Mais ils abandonnent très vite. Mais c'était rapide. Putain, je suis un peu déçu hein, de l'Espagne. Je pensais qu'ils auraient... Comme le Royaume-Uni, ça aurait été un peu long. Mais... Putain, mais ils abandonnent très vite. Allez, on vous annexe. Vous êtes à nous. Bon, bah le prochain, vous savez qui c'est, hein. C'est ce fameux Portugais. C'est le Portugal. Le Portugal pour la fin. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on aura terminé cette vidéo, cette série. Ah, c'est possible, mesdames et messieurs. Possible, possible. Est-ce que ça va être dans cet épisode ou ça va être la fin? La fin de l'Union européenne? Peut-être. Peut-être pas. Fort désapprobation. Bah oui, tu m'étonnes. Bon, Portugal. Portugal, Portugal. Heureusement qu'on n'a pas détruit toutes les bases aériennes, hein, parce qu'on a certaines bases aériennes qui sont intéressantes. Les Américains, je suis désolé, mais il va falloir partir, hein, les Amerlocs. Mais oui, Gibraltar, en plus, ça m'appartient maintenant. Ça, c'est super, par contre. Bilan de la guerre. Pouf. Base France-Mars, 3%. C'est pas normal ça. Comment ça, 3%? Oula, on va pas augmenter d'autant non plus. Faut pas abuser. Vas-y, j'augmente de cette hauteur-là. Normalement, pas de soucis. Tu on va augmenter tout ce qui est au niveau de la recherche spatiale. Mais j'ai une question, l'ONU il sert plus à rien là en fait.
Bon, alors, ça va être très facile contre le Portugal. Enfin, facile. On a bien vu avec l'Irlande que c'est facile, mais en fait, c'était difficile. Ah oui, par contre, Portugal, en termes de puissance militaire, rien du tout. Oh, oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh, quand je vois ce petit Portugal qui reste. Ah, Afrique du Sud, il y a une petite... petit problème. Hop. Ils se sont refaits l'Iran ou pas? Ils ont beaucoup de militaires, mais elles sont dans les villes, principalement. De toute façon, on peut voir ça, hein. Pas complexe. Ah oui, j'ai quasi plus aucun drone, d'accord. Combien y a-t-il de gens ici? 29 000 soldats. Allez donc. Combien? 2 000. Ah non. Dans la capitale. 26 000. Ils sont beaucoup sortis en fait. Ok. Il y a Namibie qui veut me parler, mais ça m'intéresse pas, désolé, j'ai pas envie. Bon, allez, vas-y. Il me reste juste un seul pays. Fou! On est bon. Pour cent de chance de réussite. Oui, du coup, le chômage, qu'est-ce que ça donne? Parce que là, on a attiré pas mal de monde. En termes de population active, là, on est vraiment pas mal, hein. Sachant qu'on recherche des militaires, donc si vous voulez postuler en tant que militaire, n'hésitez pas. Il m'aime beaucoup, mon chef des armées, ou pas? Ça passe. Moyenne monde 37. Moi, le budget de la défense, il est au top du top. 3 000 milliards. C'est énorme. Ah, bon, on va bien augmenter un peu les salaires, je suis d'accord. C'est bien. Les Français ont été dignes d'avoir une augmentation du SMIC. On va te le mettre à 8 500. Ça va coûter beaucoup d'argent, mais... Écoutez, il faut bien. 60 milliards pour le truc d'hiver. Hop, on revalorise les salaires, ça devrait passer. Oula, oui, par... Ah oui, ben oui, c'est sûr que ça va faire de la décroissance. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Évidemment, évidemment. Le Portugal, par contre, ça va être intéressant. Hein. Ça m'intéresse. Ah, mais c'est normal parce qu'on est le premier. Hein? Ok. Suivi de l'indemnisation. Quoi? 50 milliards, bim. Bon là, ça doit être fini. Bon, je suis très content. En tout cas, on s'est très très bien débrouillé. Il manquera juste le Portugal et ça devrait le faire.
Ok. Alors. Ah, oh, mais putain. Bonjour. Oui, Zimbabwe, que veux-tu? J'ai pas de coton. De toute façon, je m'en fous maintenant, tout ce qui est coton et tout. Pff, plus mon problème. Bon, on va commencer à dispatcher un petit peu les militaires. Genre, vous allez aller là-bas. Vous allez ici. Avec évidemment des drones. On n'a pas besoin des drones de level 5 là, là-dessus par contre. Ensuite, ici. Sont mes. Vous deux. Vous allez aller là. Excusez-moi, mais il n'y a pas de lance-missile là? C'est pas possible. Si. Et comme ça, la Gamor, c'est juste insupportable. Vous allez aller au nord. Vous. Bon, outre la balise, vous allez aller au sud. Et pour le moment, on déplace. On va juste se mettre comme ça parce que sinon ça va être trop lent. Oui, prenez les autoroutes, hein, ça va aller plus vite. Prends l'autoroute. Bon, lance-missile est juste débile. Ok, lui il va prendre l'autoroute, lui il est intelligent. Voilà, prenez les autoroutes. Vous allez aller beaucoup plus vite. Toi tu vas aller là et toi tu vas aller ici. Voilà, comme ça on se dispatche un peu. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ici? Ah oui, le délabrement est très fort. Ouais, il y a eux qui arrivent aussi. Oui, alors toi, tu vas plutôt aller ici. C'est bon, eux, ils arrivent par le bas. Toi, tu vas plutôt être ici, s'il te plaît. Oui, tu peux reprendre toujours ton trajet, hein, mais juste tu vas là. Voilà. Très bien. Ça se déplace. Toi, tu vas plutôt aller là. Bon, ils le savent très bien, le Portugal, hein, que de toute façon, ils vont aller mourir. Ils vont bientôt mourir. C'est bientôt fini pour eux. Enfin, normalement, c'est logique. Ils savent, ça c'est arrivé. Voilà, parfait. Toi, tu vas juste aller un peu plus haut. En tout cas, ils sont tous prêts à attaquer. Alors. Ok, je sens qu'on va s'amuser un petit peu. Mais ça, on va le faire évidemment dans le prochain épisode. Hein. C'est évidemment ce qu'on va faire. Parce qu'on a fait une grosse guerre avec l'Espagne. Est-ce que je pourrais pas en ramener encore d'autres? Ouais, toi. Toi, tu peux aller là. Toi aussi, tu peux venir. Je vais aller ici. Allez, allez, on bouge, on bouge, on bouge les mecs. Toi, tu peux rentrer à la maison. Allez, on prend l'autoroute.
trop bien d'avoir les autoroutes, les infrastructures qui vont. Comme ça permet de les bouger. On est tranquille. On filtre les. Ouais, vas-y, accepte. Salut. Ah, ben merde, je l'ai raté. Je crois que c'était pas Bolivie, c'était Ghana, je crois, en plus. Notre grand ré... Je crois que le drapeau, c'était Ghana. Ghana. Oui, putain. Bonne mémoire. Bon, ils sont prêts. On a juste cette base aérienne qui va être. Pff, ça va être une bonne base aérienne, hein, c'est bon. On n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de cette base aérienne. De toute façon, elle est beaucoup trop proche. Fais-moi un petit compte rendu. Ok, il n'y a quasi rien. À Lisbonne. Ok. Oh, j'ai oublié. Les îles Madère. Ils ont une base aérienne. Ils ont des bases. Ok, je sais qu'est-ce que je vais faire. J'ai pas une base aérienne pas trop cassée, pas trop entamée. À part celle-là. J'en ai pas une autre. Si. Non. J'ai vraiment aucune autre base aérienne? Ça me fait chier, faut que je la casse celle-là, donc de toute façon. Bon. Ok, bon, de toute façon, je sais comment on va faire. Bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve sûrement pour la fin, la véritable fin de notre série GPS4 avec la France. Bah dans 2 jours. Après on fera peut-être quelques vidéos bonus ou alors la vidéo bonus ça sera directement dans cet épisode même. Parce que je pense que l'annexion du Portugal ça va se faire assez rapidement, je vais pas vous mentir. Donc voilà, bref. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS4. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous!